Attention pour le départ de ce prix d'Enghien, les chevaux sont sous les ordres. Et les voilà partis pour ce prix d'Enghien pour un voyage de 2600 mètres. On est très bon départ du numéro 1, Vatou de Nano. À son extérieur, on retrouve le numéro 3 qui est Olé du Tartufume. On ferme la marche avec le favori, le numéro 6, mais qui a déjà refait une partie de son retard. Pour passer une première fois devant les tribunes, c'est toujours le numéro 3, Olé du Tartufume, qui a tête et corde. Côté corde, on retrouve Vatou de Nano. On est venu avec le numéro 5, Tyran du Vautour. On se retrouve en quatrième position avec un concurrent comme Sergent Chef. Et on ferme la marche avec toujours le numéro 6, Vlatou des Salines, mais qui a refait une partie de son handicap. Pour aborder une première fois le premier tournant de la ligne d'en face, position est changée. Le numéro 3, Olé du Tartufume, suivi côté corde maintenant du numéro 5, Tyran du Vautour, qui est venu relayer le numéro 1, Vlatou de Nano. On ferme toujours la marche avec le 6 et grandissime favori, Vlatou des Salines. Au milieu de la ligne d'en face, position changée, le 3 avec Edmond Longeron, Olé du Tartufume, tête et corde. En seconde position, le numéro 5, Tyran du Vautour. En troisième position, Vatou de Nano qui est venu, qui est escorté à son extérieur par le numéro 4, Sergent Chef. Où se retrouve Bernine Choco, il se retrouve en avant-dernière position. Il précède juste le grand favori, Vlatou des Salines. Pour aborder le deuxième tournant de la ligne d'en face, c'est toujours le même, le 3 qui a l'avantage depuis le passage devant les tribunes, suivi du numéro 5, Tyran du Vautour. Le numéro 4, Sergent Chef, se laisse pas compter. Côté corde, on retrouve le numéro 1. On est cinquième avec Bernine Joko et M. William Demion. Et on passe à surmultiplier avec le grand favori, Vlatou des Salines, qui va essayer de faire le tour des autres. Encore un tour et demi de piste complète à faire. Donc, ils vont passer une seconde fois devant le poteau d'arrivée. Et la course va être vraiment lancée avec le numéro 4, maintenant, Sergent Chef, qui revient grande battue. À son extérieur, on a le numéro 6, Vlatou des Salines, le grand favori qui déploie de très belles foulées au trot. Et c'est le numéro 6 maintenant qui va essayer de relier tout le monde, mais se retrouve en troisième épaisseur. En numéro 3 à côté corps, le numéro 4 également se retrouve en seconde position. Le numéro 5 se laisse pas compter. On a perdu des rangs avec le 1, Vlatou des Nano, et le numéro 2, Bernine Joko, 100 mètres battus. Au milieu de la ligne d'en face, toujours le numéro 3, c'est-à-dire Olé du Tartufume, le grand favori qui va très librement, c'est-à-dire Vlatou des Salines, va essayer de doubler la mise. En troisième position, on a Tyran du Vautour et M. Loury. En quatrième position, Sergent Chef, il y a mano à mano entre le numéro 3 qui est Olé du Tartufume. À son extérieur, on retrouve Vlatou des Salines. On essaie de se relancer avec Tyran du Vautour. On vient également aussi avec Sergent Chef qui est très sollicité. Les deux autres concurrents, Vlatou de Nano ainsi que Bernine Coco, sont complètement battus. Pour sortir du tournant et à 500 mètres de l'arrivée, un mano à mano côté corde, on a Olé du Tartufume à son extérieur, Vlatou des Salines, on essaie de s'accrocher avec le 5 Tyran du Vautour, on est battu avec le 4 Sergent Chef qui est très sollicité, qui est sur ses fins. Pour sortir du tournant et à 250 mètres du poteau d'arrivée, c'est toujours Olé du Tartufume à son extérieur, Vlatou des Salines, Tyran du Vautour va essayer de faire l'arrivée, mais il y aura une lutte entre ces deux concurrents, c'est-à-dire Vlatou des Salines et Olé du Tartufume. Mais c'est Vlatou des Salines, le grand favori, qui survole l'opposition. En seconde position, on retrouve Olé du Tartufume. On est troisième avec Tyran du Vautour. Donc c'est une formalité pour ce grand favori à 1,40 €. Vlatou des Salines qui permet à son driver de signer sa 7e victoire. Deuxième place pour le numéro 3, Olé du Tartufume. Troisième place pour le 5, Tyran du Vautour. Quatrième place pour le numéro 1,